Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais ma première review de la série Octonauts. Alors voici le coffret GUP-A Mission Vehicle avec Captain Barnacles. Donc en fait, c'est un sous-marin qui est accompagné d'accessoires et du capitaine Barnacle. Il a écrit à droite que ça marche sous l'eau. Inclut trois accessoires de sauvetage. On peut essayer sur le côté. Ici, on a un dessin qui représente l'équipe dans le sous-marin. Voilà, CUP-A Mission Vehicle, Fisher-Price. Donc, vous pouvez voir tous les produits. Ici, on a le logo. Ici, un dessin de Barnacle. Sur le côté, on a le logo avec une autre photo. Voici l'arrière de la boîte. Donc j'ai acheté les États-Unis, tout est en anglais. Ici on a du texte. On a des photos. Donc ici avec les accessoires. Donc qui sauve un animal marin. Là on voit qu'on peut rajouter une extension devant, une pince. Et ici il montre qu'on peut tourner l'hélice. Donc il montre que sur Terre ça peut avancer. Ainsi que sous l'eau. Là, on a un dessin avec toute l'équipe. Voilà. Donc, voici pour la boîte. Je vais à présent l'ouvrir. Alors, voici Barnacle déboxé. Alors, on a le sous-marin. On a un filet de pêche. J'ai un filet pour attraper les animaux, les poissons. Ensuite, on a une sorte de petite canne à pêche ou de, voilà, d'hameçon. Et enfin, on a une pince. Sans oublier le personnage de Captain Barnacles et un poisson. Alors, j'ai commencé par vous montrer le Captain. Alors, il a un petit béret bleu avec en haut le logo de la pieuvre. Donc, c'est un ours blanc. Il a les yeux noirs. Ensuite, il a une tenue de plongée de couleur rouge avec des palmes. Toujours le logo de la pieuvre sur son ventre. Voilà, on a sa queue qui ressort de la combinaison. Mais ici, on a une petite encoche au niveau du dos. Une petite fermeture éclair. Voilà, pour le capitaine. Je vais vous montrer le poisson rouge. Donc, ça fait un peu penser au sous-marin, le devant, là, avec l'antenne. Ensuite, je vais vous montrer les accessoires. Donc, on a une pince de couleur grise, toujours le logo à l'intérieur. Et voici la sorte de canne à pêche ou d'hameçon. Voilà, et on a un filet. Donc, on peut mettre cela devant au niveau du sous-marin. Là. Je vais vous montrer maintenant le sous-marin. Donc il est de couleur turquoise. Alors ça fait une forme de poisson, comme je l'ai dit. Donc on a les yeux ici. Là on a la bouche, l'antenne en haut. Alors ça s'ouvre le cockpit de par devant comme ça. Voilà, on a ici un aileron avec le logo. On a des petits trous en dessous. Et là, on a le mécanisme de couleur jaune qui va avec l'hélice, qui fait avancer le véhicule. Et là, on peut ouvrir donc, pour voir l'intérieur du sous-marin. Donc là, on a des encoches pour mettre les personnages pour qu'ils tiennent debout. Voilà, on peut les mettre à l'arrière, devant. C'est au choix. Quand tu as plusieurs personnages, c'est parfait. Ici, on a une sorte... deux petites boîtes pour ranger le matériel. On peut mettre le poisson, par exemple, ici. Voilà. Ici, on a une sorte de petit lavabo. Voilà, c'est mignon. Tableau de bord que vous pouvez voir. On a des petites marches aussi sur le côté. Voilà, donc ça se referme. Alors, devant, on peut mettre le filet.
je vais vous montrer. Ça se met comme ça. Voilà. Donc c'est pour sauver les poissons. Ensuite, on peut mettre la pince aussi devant comme ça. Et donc ça, en fait, l'hameçon ou canne à pêche, il y a une poignée. Alors, je vais vous montrer. C'est pour que la figurine puisse la tenir. Voilà. Et en fait, bah, il peut, par exemple, on peut accrocher le filet. Comme ça. Et on va dire bah, que le poisson est dans le filet. Donc voilà pour les accessoires. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, ça marche sans pile. Donc, on a un mécanisme qui est au niveau de l'hélice. Donc, il faut tourner l'hélice au maximum. Ça va remonter le mécanisme. Donc, faites bien au maximum. Et je relâche. Bon, bon là, il s'est cassé pris le mur. Voilà. Donc ça avance sans pile. Bon. Et voilà. Bon, il y a mon chien qui est un peu curieux quand même. Hein. Bon, bah, je crois que ça amuse autant mon chien que moi. Maintenant, on va essayer dans l'eau pour voir ce que ça fait. Alors, 1, 2, 3. Bah, ça avance pas super. Mais bon, ça marche quand même dans l'eau. Voilà. J'espère que cette review de Octonauts vous a plu, c'était ma première et j'espère vous en faire encore plein parce que je compte les collectionner. Je ferai sinon une petite série avec eux un peu plus tard et j'espère que ça vous plaira. Voilà, à bientôt.